Hello les copines! Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo démonstration de maillot que j'ai acheté, maillot, enfin vous allez voir, pour un budget de moins de 100 euros. Bon, c'est un budget, mais c'est pas non plus un énorme budget. Et vous allez voir ce qu'on a, c'est quand même pas mal. Ça c'est pas acheté, mais ça quand même, regardez, hein, je l'avais visionnaire, visionnaire le Geekman. Les deux derniers champions d'Europe, ils sont là. Voilà. Il y a celui il y a 6 mois et celui de maintenant, puis celui dans 6 mois. Peut-être qu'ils vont inverser, hein, je ne sais pas. On l'espère, en tout cas, j'espère que ça va rester au moins dans la famille de ces deux-là. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va vous montrer? On va vous montrer, c'est des maillots que j'ai achetés sur le site AliExpress. Je suis sponsorisé par le site chinois. Non, je rigole, je ne suis pas sponsorisé, ils m'ont fait payer, ces enfoirés. Mais bon, ils m'ont fait payer pas cher. Donc autour de 15 euros à chaque fois le maillot, on s'en est acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 fois 15, hein. Ça fait 90 et quelques, je crois 92 euros. Voilà, j'ai payé 92 euros pour 6 maillots. Vous allez voir, c'est assez bluffant. C'est vraiment bluffant. Comme ils font vrai. En fait, c'est, on va pas se le cacher, c'est des fakes. C'est des, enfin, comment dire, des fakes. C'est des contrefaçons. Merci mon souffleur. Donc, ce sont des contrefaçons. Mais bon, franchement, ça me bat les cacahuètes, j'ai envie de dire. Donc, on va commencer, les gars, avec un premier maillot qui me tenait à cœur parce que c'est quand même ni plus ni moins que le gagnant du dernier tournoi Destination. Donc, toujours, à chaque fois que je vais déballer, je vous le dis, c'est entre 15 et 16 euros le truc que j'achète. 15 et 16 euros. Vous voyez, bon, c'est un budget, hein, je disais 90 euros, mais si vous voulez 6 maillots comme moi, mais si vous voulez un maillot, voilà, hein, je sais pas moi, du Stade Toulousain qui vient d'être champion d'Europe, ou j'en sais rien, moi, d'Exeter, ou de l'équipe de France, ou du Pays de Galles, ben c'est entre 15 et 16 euros le maillot. Et je peux vous le dire, honnêtement, déjà la matière, c'est vraiment de la matière maillot, hein, c'est du jersey, comme on dit en anglais. Et regardez, il est propre, hein, franchement, il est très très propre. Il y a même le truc Macron et tout. C'est vraiment le maillot, il est d'une propreté sans faille. Enfin, on verra à l'utilisation et tout, mais vous voyez que c'est assez crédible. Pour toujours pareil, pour 15, entre 15 et 16 euros. Donc le premier maillot, c'était le maillot du Pays de Galles. Vous devez essayer de deviner quels sont les maillots que j'ai pu prendre des équipes que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai pris des équipes que j'aime beaucoup dans ce monde du rugby. Donc le premier, c'est le Pays de Galles qui est vraiment très sympathique. On passe au deuxième, les gars. Le deuxième, on va partir dans un autre continent. C'est un peu l'équipe d'hémisphère sud que j'aime beaucoup. Que c'est mon équipe d'hémisphère sud que je préfère. Non, ce n'est pas les Néo-Zélandais. C'est l'Australie, mais j'ai pris un Australie old school. C'est un Australie, en fait, de l'époque. Les plus jeunes, vous connaîtrez pas, mais certains, ça vous parlera de cette charnière Gregan Larkham, de cette équipe championne du monde en 99, en finale de la Coupe du Monde face à une certaine équipe de France, par exemple, et de cette équipe qui perd aussi en 2003 en finale face à l'Angleterre. C'est le maillot de l'Australie. On ouvre tranquillou, tac tac. Et franchement, on va voir, hein, on va voir. Parce que je sais pas. Mais en tout cas, le premier, celui du Pays de Galles, c'était bluffant de propreté. Hop, on passe au deuxième de l'Australie. Toujours pareil, hein, matière jersey aussi, hein, toujours vraiment matière super agréable. Et ben, vous voyez à, hein, quoi ça ressemble. Alors là, c'est plus un col manière polo, hein, aussi, quoi que. Le Pays de Galles aussi, ça l'était un peu. Alors là, il n'y a pas de marque, par contre. Voilà, là, il n'y a pas de marque. Je vois pas de marque. Et donc là, il n'y a pas de marque. Oui, c'est juste. Mais bon, c'est une réplique classique. Mais qui est assez stylée, franchement. C'est la petite équipe australienne qui a marqué un peu ma jeunesse, cette équipe australienne 99 qui bat l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde. Et franchement, ils sont propres. Et toujours pareil, 15 euros. 15 euros le maillot. Le maillot donc de l'Australie. On passe à une autre équipe, une de mes équipes de cœur. On remonte du côté de l'hémisphère nord. C'est une de mes équipes de cœur, vraiment. C'est l'Écosse, qui est l'équipe qui n'a pas gagné le tournoi Destination depuis. Je crois qu'ils n'ont jamais gagné le tournoi Destination, même. Ils ont gagné le tournoi des 5 nations, évidemment, de nombreuses reprises. Mais depuis que c'est le tournoi Destination, ils ne l'ont jamais gagné. C'est comme ça, hein, ça fait partie du jeu, comme on dit. Mais en tout cas, on teste un peu leur maillot.
Et on regarde, et franchement, bah, toujours pareil, c'est la matière, toujours matière jersey, donc matière maillot. Et franchement, ils sont d'une propreté. Avec, bah, vous voyez, le truc, c'est vraiment. Alors, toujours pareil, c'est de l'imitation, et donc ça va pas être 100% exactement comme le truc, mais porté, dans tous les cas, ça sera à peu près pareil. Avec le petit, regardez, le petit drapeau de l'Écosse sur le côté, quand même. Voilà, important. Avec les couleurs un peu des kilts, les couleurs écossaises, voilà, sympa, et aussi sur les épaules. Le chardon, évidemment. Mais ouais, c'est vraiment. Et toujours pareil, la matière jersey, donc super agréable, ben, comme un vrai maillot. Ouais. Alors, on passe à une équipe. Je suis moins fan. Là, on a vu que des polos, ça, c'est un maillot. Plus maillot, maillot. C'est l'équipe d'Irlande, et c'est marrant, c'est le maillot de l'Irlande. Regardez, de la Coupe du Monde. De la Coupe du Monde 2019, leur maillot. J'aime bien le style de ce maillot. Donc, hop, on regarde ça, tranquillou. Voilà, le maillot de l'Irlande, toujours pareil, toujours propre. Alors ça, vous voyez que c'est un col un peu plus truc. Alors ça, c'est une vraie imitation avec, limite, on se demanderait si c'est vrai, mais je ne suis pas sûr, hein, parce que à 15 euros, il y a peu de chance. Canterbury, hein, Canterbury, vous voyez marqué. Donc franchement, il est super propre. Alors, c'est un style, ça fait pas toujours penser à l'Irlande, on les imagine pas toujours avec ce maillot, mais ils ont eu ce maillot, ils ont eu ce maillot. Et bah, il est propre, franchement, pour faire du sport, ça peut être sympa. Et toujours pareil, matière jersey. Donc vraiment, c'est bah, super confortable. 15 euros. 15 euros le petit maillot de l'équipe d'Irlande. Avec, hop, de près, Rugby World Cup Japan 2019. Patati, patata. Bref, vous connaissez ce truc si vous l'avez vu. Bah, ça. Un maillot d'actualité. Alors attention, d'actualité, qu'est-ce qu'il nous raconte? Équipe qui va affronter l'Afrique du Sud dans pas longtemps et qui va on espère envoyer du lourd. C'est les Lions britanniques, évidemment. Celui-là, c'est un truc que j'avais envie depuis longtemps, m'acheter quelque chose des Lions. Et ben voilà, on y est arrivé. Là, enfin, les Lions britanniques. Alors, on les enchaîne, vous avez vu, toujours pareil, à chaque fois, 15 euros le maillot, c'est un régal. Hop. Regardez, avec le petit, bah, les drapeaux des quatre trucs. Toujours la marque Canterbury. Ah, il y a un petit défaut là, regardez, c'est à découper. Ah, ah bon, on m'annonce que celui de l'Irlande, c'est un vrai. Il n'est pas un fake. Donc, ce qui explique de pourquoi il y a. Non, je ne sais pas pourquoi. Ah, oui, c'est oui, c'est peut-être parce que c'est un ancien aussi, c'est de 2019. Donc, peut-être qu'ils ont eu des prix, c'est déjà genre des écoulements de stock. Mais c'est le même prix, 15-16 euros. Donc voilà. Donc le maillot des Lions britanniques, toujours matière jersey, mais celui-là, il fait un peu plus habillé. Je sais pas si. Déjà, il a le col un peu polo, et puis même la matière fait un peu plus habillé. Mais franchement, sympa. Bon, avec les sponsors. Canterbury, on me dit que c'est du coton dans l'oreillette. Hein. Écoutez, dans l'oreillette, monsieur Laurent Jalabert, on annonce que c'est du coton. C'est du coton simili-cuir. Non, pas du tout. C'est du coton. Mais franchement, encore une fois, franchement, tu veux faire le malin, le polo des Lions britanniques, t'en vois pas beaucoup hein, en France. Ben voilà, tu peux porter ça. On voit qu'il y a un petit défaut là, regardez, hop, il faudra le découper là, avec le ciseau là sur le C de Canterbury. Mais bon, sinon, franchement, depuis 1888, c'est ancien là, les Lions britanniques et irlandais. Je dis tout le temps les Lions britanniques. Faut pas oublier l'Irlande, c'est Lions britannique et irlandais. Parce que si c'était juste les Lions britanniques, ben, il n'y aurait pas l'Irlande. Logique. Et on passe au dernier, le Maoust, la meilleure équipe au monde. Bon, on dit souvent plutôt que c'est les Lions britanniques, la meilleure équipe au monde, mais vous voyez de qui je veux parler, évidemment. Hein, on ne pouvait pas acheter 6 maillots sans acheter celui-là. J'ai pris le nouveau qui est en mode old school, vous savez, avec cette rose là, c'est évidemment le maillot de l'Angleterre qui est franchement, vous allez voir, il a l'air sympathique, il a l'air sympathique. On ouvre, c'est comme un matin de Noël, les gars. J'avais quant à ça dans la boîte aux lettres. Bon, un matin de Noël où t'as payé le Père Noël quand même, parce que il passe pas gratuitement, hein, le Père Noël. Et on a un petit maillot
de l'équipe d'Angleterre. Toujours avec les. Honnêtement, encore une fois, j'arrive pas à savoir si c'est fake, vrai, faux. Parce que, honnêtement, si c'est des trucs un peu illégaux, ils sont, mais genre, tellement propres, franchement, et super bien fait. Et donc là, j'ai pris 100. Enfin, si, j'ai un peu. Bah, il y a les marques Umbro et O2, évidemment. Mais vous voyez, c'est le maillot de l'équipe d'Angleterre classique. Avec le petit truc derrière, quand même, qui fait la diff RFU 1871-2021. Hein, donc on est en pleine actualité. Hein, c'est vraiment le truc, le maillot bah, qu'il y a eu pour le tournoi Destination où ils ont été nul à chier. Hein, on est d'accord, les Anglais, mais quand même. Et ça, pour 15, entre 15 et 16 euros, toujours pareil, le maillot du 15 d'Angleterre. Ben voilà, c'était un peu la présentation. Pour moins de 100 euros, 92 euros, vous voyez tout ce qu'on peut avoir, hein, frais de port inclus, hein, je rappelle, c'est vraiment 92 euros, TTC évidemment, donc c'est vraiment, c'est pratique pour quand t'as pas un budget, parce qu'encore une fois, chaque maillot là, que je vous ai présenté, un maillot, si tu prends la version sur Amazon ou à Decathlon ou sur les sites de ces équipes, c'est 100 euros. À peu près, hein, 100 euros le maillot. Donc évidemment, bah, tu te dis, j'en ai 6 pour le prix d'un, quoi. Donc forcément, ça vend un peu du rêve. Voilà, je vous dirai lequel vous préférez. Moi, ma préférence va peut-être à celui des Lions britanniques. Voilà, parce que c'est je pense que c'est celui des Lions. Ouais, c'est voilà, la beauté des Lions britanniques et irlandais. Mais ils semblent tous vraiment de qualité. Voilà, donc, ben. Bah, à l'occasion, si vous voulez aller voir, c'est sur le site AliExpress. Je ne suis pas sponsorisé par eux, c'est juste que ben, si vous avez envie de vous faire plaisir sur un maillot ou de faire un cadeau à votre enfant, votre frère, je ne sais pas, ou à votre père, et vous savez qu'il aime bien, ben, il y a vraiment beaucoup de maillots. Je suis allé voir comme ça, par exemple, en championnat de France, tu as le Stade Toulousain, tu as Toulon. J'ai vu qu'il n'y avait pas La Rochelle, mais peut-être que maintenant qu'ils ont fait un beau parcours en Europe, peut-être qu'ils vont se retrouver à y être, je saurais pas vous le dire, pour l'instant ils n'y sont pas, mais vu qu'ils vont se faire connaître, on sait jamais. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve demain, ça sera un live où on va faire des matchs évidemment de rugby, mais ça c'est demain après-midi. Je vous souhaite un bon dimanche soir et à très bientôt. Bye bye!